comment allez-vous en ce magnifique dimanche? Et toi, Volt? Il y a un an! Et regardez comment il a aussi. Il a un an et 2-3 mois maintenant. Je ne sais même plus la date de ton anniversaire. On s'en bat les couilles. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un challenge chien versus chat. On va tester l'intelligence de mes animaux. Des plantes. J'ai envie de tester des plantes. De mes animaux face à des obstacles. On va voir, on va observer leur comportement. C'est sûr et certain, leur comportement va être totalement différent. Déjà, vous avez une espèce de bulldozer là. Et vous avez la délicatesse d'un chat. Surtout Ava. Voyez-vous? Trois tests obstacles, on va dire. Mais avant ça, une petite présentation de mes animaux. C'est parti! Non. Volt, race, finnois de Laponie, âge, 1 an, caractéristique, passe sa vie à jouer. Nom, Ava, race, gouttière, âge, 2 ans, caractéristique, une vraie petite boule d'amour. Nom, Indy, race, gouttière, âge, 3 ans, caractéristique, réalise les meilleures roulades du monde animal. Voici le premier défi. Chacun de mes animaux va devoir passer le long de cette barrière de cosmétiques, voilà. Et le but est de ne rien faire tomber. J'ai vu ce challenge sur TikTok et je me suis dit ça doit être grave drôle d'essayer. Je vais juste en fait chronométrer le temps que chacun de mes animaux pour passer l'obstacle. On va commencer par Volt, c'est parti. Ok, c'est parti. On va appeler Volt. L'organisation est horrible. Bref, Volt, viens. Il a mis 3 secondes. Okay, bah pour lui c'est rien en fait. Volt, viens. Ah, là t'as un problème. Volt? Ah, allez viens. Oui, ouais. T'en fous, j'avais le chien qui s'en branlait, putain. Volt a mis exactement 3 secondes, on est d'accord. Pour lui c'est du pipi chat, il s'en branle totalement. On est d'accord, il s'est rien passé pour toi, hein. Ok, bon, on va essayer avec les chattes. Pour les chats, on a juste un petit peu complexifié la chose parce qu'il y avait un peu trop d'espace. Vous le savez, les chats viennent très rarement tout seuls. Généralement, il faut un appât. Et on en a un ici. Donc la première à passer, c'est Ava. C'est parti, top chrono. Ava! Oh putain, elle arrive, c'est bon. Coco! Mais qu'est-ce que tu fais toi? C'est pas toi qu'on veut! Va-t'en, mais t'es dans le plan! Allez! Ava, mais qu'est-ce que tu fais? Ava! Coco! Putain, mais. Mais rien ne se passe comme prévu! Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le crino? Ava, viens! Allez, viens manger! Elle va manger! C'est bon, elle arrive. On va manger! Ah, elle passe les contours! Elle passe sur les bords parce que ça semblait plus simple. S'en bat les couilles, c'était easy quoi. Bah oui, bah tiens, t'as pris un 10. Mais c'était trop simple pour elle en fait. En fait, elle s'est pas fait chier, elle a été sur les côtés quoi. On va devoir complexifier quand même pour la deuxième car elle a trouvé la faille. Ok, c'est parti pour Indy. À toi, Indy. Allez, on va manger Indy. Allez, viens manger. Allez. Putain, elles passent tous par le côté. C'est ouf. On a complexifié du coup sur le bord, elle va sauter. Regardez là, elle va sauter. Elle va sauter. Elle va sauter. Elle va sauter. Allez, Indy. Je sais pas ce qu'elle fait, elle hésite dans sa tête, elle est perdue. Elle a déjà que 2 neurones, alors ils ont dû griller. Oui! On en conclut que Indy est la plus agile. Et Ava, c'est pépère tranquille parce que c'est la seule qui a passé l'obstacle le plus facilement parce qu'elle a sauté, tout simplement. Elle s'est pas compliqué la vie, tout simplement, elle a sauté. Et par contre, Ava a été quand même beaucoup plus prudemment. Ok, challenge numéro 2. Celui du cellophane, vous le connaissez sûrement. Donc on va voir comment se comportent mes petites filles et mon petit garçon face à ça. On va les appeler un par un en espérant que Volt ne détruise pas tout. J'ai surtout peur de Volt en fait. Il y a une faille dans le système. Si elles sont assez intelligentes, elles devraient passer en dessous. Au lieu de rester soit comme des cruches en face à attendre ou passer par dessus. C'est parti, Ava. Tu viens? Ok, elle cherche directement à passer par en dessous. Elle négocie même pas. Tu as mis 13 secondes, bravo! Au tour d'Indy. Indy! Viens! Viens! Allez, Indy! Putain, elle s'en branle. Viens! Viens! Regarde, il y a ta sœur! On est bien de ce côté-là! Je crois qu'elle a abandonné les croquettes et tout. Elle se dit, c'est une grosse arnaque. Indy! Viens! Ta sœur a réussi à passer en dessous, là. Elle a compris très vite le système. La faille! Dans mon système, je veux dire. C'est bien. A-t-elle essayé de faire un trou dedans? Oui! T'es passé! Bravo! T'as quand même mis pratiquement une minute, hein. T'es un petit peu longue, hein. Au tour de Volt! Non! Non! Oh mon dieu! Elle a réussi à sauter par-dessus! Je suis tellement fière d'elle! Oh bravo, mon petit, ma petite avate! Elle a quand même sauté ça! Hein. Je suis très contente, je suis très fière de toi! Volt, viens! Viens, mon chien! Allez! Attends, c'est quoi ça? Le chrono est lancé, allez, Volt!
Allez, viens, viens voir maman. Mais je peux pas passer, t'as mis un truc devant. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour lui, mais est-ce qu'il va se dire qu'il peut passer en dessous ou pas? Allez, Volt. Non mais ça va, oui. Viens. Arrête de me mettre la pression. Il saute. Prends-le là, il saute. Il y a peut-être un raccourci dans la chambre. Et non, il y a juste ton lit qui n'est pas fait, lol. Oui, mon lit n'est pas fait, et alors? Je comprends pas. Allez, saute. Ou passe en dessous, fais quelque chose. Montre-nous que t'es intelligent. Volt, le temps passe. Attends, on va faire. Oh. Ouh, il y a à manger. Allez, Volt. Allez, Volt, viens là. Allez, je saute. Oui, allez. Hop. Il mute. Est-ce que ça se... Oh. T'as vu, ça se mange. Allez, passe. C'est un mur invisible. Je vais réussir. Allez, tu peux le faire. Saute, saute, saute. Est-ce que je peux le casser, ça? On dirait. On défonce tout dans ces cas-là. Oui, c'est bien, vas-y. On a un stade où tu peux tout défoncer. Hein. Allez, viens. Oh. Il a tout défoncé. Allez, viens. Bah oui, bah tu peux maintenant. Allez, bah ça, non, mais s'il te plaît. Voilà, bravo. Bon, t'as juste mis à peu près 2 minutes, mais bon, c'était peut-être un peu plus compliqué pour toi quand même. Ah bah oui, c'est bien, c'était pour les chattes, mais voilà, non, mais un petit peu, mais pas beaucoup, s'il te plaît. Au niveau du classement, je dirais plutôt Ava, Indy, mais Volt. Mais bon, t'es mignon, c'est ce qui compte. Il reste coincé, hein. Mec, tu peux là, tu peux. Voilà. Bref, ceci fait, c'est parti pour le dernier challenge. Défi est l'un des plus connus quand on a des animaux. C'est celui des gobelets. On va commencer par Volt. Du coup, je vais calculer combien de temps il met par rapport au chat pour trouver ses petites croquettes. Bon, je viens juste de complexifier la chose, j'en ai rajouté 2 autres, voilà. Et donc je vais calculer combien de temps il met. Il est en train de pleurer là, il a juste qu'une envie, c'est de sauter dessus. Ok, on va voir combien de temps il met. Hop, c'est parti. Allez, va trouver, va chercher. Elle est où la bouffe? Bah alors... Non mais t'es sérieux, Volt? Celle-ci, c'est la bonne réponse. Non mais t'es si nul que ça? Non mais t'as tout fait tomber, t'es vraiment... Allez, cherche! Oh non mais Volt, oh là tu me déçois, hein. T'es plus mon fils. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais il est vide! Ah ouais, non mais t'as... C'est pas une truffe que t'as, hein. Yes, victoire. Elle est en plastique. Ah bah voilà, bravo! Enfin, au bout de... On va dire 36 secondes le temps que j'arrive. 36 secondes, Volt? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta petite tête? On l'avait déjà fait, ce jeu! Mais alors? Elle s'en bat les couilles. Eh, ça va être à ton tour, là, dis donc. Bon, on notera 36 secondes pour Volt. C'est vrai que quand j'avais fait cet exercice avec Volt, je lui avais montré où je les avais cachés. Et 30 secondes après, on était revenu dans la pièce et là, il devait se souvenir. Mais regardez-le, ce stalker, là. Non, c'est fini, toi! Et donne-moi à manger. Tu as joué des... Déjà. Elle est où la bouffe? Bon, on va essayer avec les chats. Je suis épuisée. Ils m'ont tué. Ils m'ont assassiné. C'est parti. Allez, les filles. Plus de motivation, s'il vous plaît, dans les rangs. Non, mais Vol, tu as déjà joué. C'est pas ton tour. Miam. Mais non, mais. Miam. Lâche pas ma caméra. Ah, Ava est sur une bonne petite piste parce qu'elles sont dedans. Et elles ne regardent que celui-là. Par contre, ouais, là-bas. Là-bas, par contre, tu as Indy, elle s'en fout. Ah, bah. Ok. Je crois qu'elles sont... Elles sont contre-fiches. Elles ont abandonné. Les croquettes, c'est plus trop leur délire. Enfin, les friandises. Tu sais, c'est quand tu lances un jeu et qu'en fait, bah, personne n'a envie de jouer avec toi. Bah, je ressens un peu ce sentiment-là avec les chats. Voilà. Par contre, j'en ai toujours un, tu sais. Par contre, t'as toujours ce pote-là qui veut toujours jouer avec toi. Peu importe ce que tu dis, il sera toujours là. Il sera toujours vaillant, toujours prêt. Prêt pour faire des bêtises, prêt pour participer à n'importe quel jeu. J'ai Volt. Elle est où la bouffe? Bon, bah. On. Je suis mort, putain. On annule le défi. Non, mais. Mais. Bon, elles étaient là, les filles. Eh oh, Ava, Indy, Ava, Indy, you. Oh, des croquettes. Je pense que pour ce... Vol, putain, il a bouffé les friandises du chat. Volt, tu viens pas de faire une bêtise. Miam. On part sur un échec total pour la dernière épreuve. Après, j'ai envie de vous dire, c'est les chats. Hein. C'est eux qui décident quand est-ce qu'on joue, quand est-ce qu'on ne joue plus. Ce n'est pas moi qui décide. Et là, elles ont dit, bah fuck, j'en ai plus rien à foutre de tes friandises. De toute façon, elles sont dégueulasses. Bon, j'espère que cette petite vidéo challenge chien versus chat... Mais non, mais voilà, mais t'es vraiment... Va-t'en là. Vous aura plu. C'était vraiment sympa à faire. C'était vraiment très drôle. Mais je suis épuisée. Ils m'ont épuisée. Mais comment voulez-vous... Regardez, comment voulez-vous ne pas être épuisée avec un chien qui vous stalk vos moindres gestes? J'ai mangé une salade. J'ai pas mangé un rôti. Alors laisse-moi en haleine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Moi, je suis décédée. Salut.